Oui, on apprécie parce que effectivement c'est sur un circuit fermé, très court, avec le public qui est omniprésent. Donc forcément quand on fait une course d'un point A à un point B, c'est beaucoup plus étalé, on sent moins l'ambiance. Là ça fait un peu ambiance stade de foot. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est être au contact du public, au contact des gamins, au contact des papis, des mamies, des papas, des mamans. C'est aussi pour ça qu'on apprécie les critériums. C'est un format qui est assez court. Ça fait bien mal à la gueule, mais c'est finalement, tout le monde y trouve son compte. Le coureur comme spectateur, donc c'est l'idéal dans ce genre de critérium. Non, j'étais pas prévu. D'accord. J'étais pas prévu. En fait, moi, je devais pas faire critérium déjà à la base. D'accord. Parce que j'avais pas mal de courses. Mais là, je suis encore en arrêt jusqu'à ce week-end. Je peux pas rouler. Donc, je me suis dit, voilà, Axel, il m'a dit, ah, mais tu veux pas venir me voir critérium de Colmar. Au Tour de France, j'étais dans la montée du plateau sur base. Et puis, Seizinger m'a lancé une gourde, du coup. Et aujourd'hui, j'en ai profité, comme je suis venue le voir, pour la faire signer. Au général, du circuit de la Fer, victoire dans quelques instants d'Axel Zinglet. Ah, il n'a plus que 200 mètres avant de remonter la victoire. Axel Zinglet continue vainqueur. Forcément Colmar, c'est un plaisir pour moi d'être là et je pouvais pas louper ça. Donc ouais, c'est aussi ouais un petit rappel du tour et j'espère là que bon là c'est la première édition là, enfin la première réédition on va dire. Mais j'espère que ça va se pérenniser et que voilà bah, les gens vont aussi suivre de plus en plus le tour et que du coup les gens de Colmar ce sera un peu le rendez-vous d'après tour. Avec de plus en plus aussi de pros, ce serait sympa et puis ouais, c'est bien d'avoir ça et moi j'espère venir tous les ans à Colmar quoi, ce serait sympa.